Michel Morin, marché Paul Bert, allée 1, stand 27. J'ai débuté en faisant l'art d'Extrême-Orient. Après, j'ai fait l'art populaire et j'étais expert à Drouot. Et avec le temps, j'évolue suivant la demande et la tendance. Je m'adapte, tout du moins j'essaye. Et maintenant, je me spécialise plus dans ce qui est bar, restaurant et alcool ancien. Alors, aussi bien comptoir 1900 que les années 50 en formica, qui joue un peu justement maintenant avec la nouvelle tendance vintage. Tabouret de bar, les verres, les plaques publicitaires émaillées, des jeux de bar, jukebox. Mes flippers, pour l'instant, j'en ai pas, j'aimerais, et j'aimerais également les baby-foot. Tout ce qui touche tout autour du bar, mobilier et objets. Vous avez donc tous les objets, les pichets, et souvent c'était aussi publicitaire. Donc ça c'est intéressant parce qu'on est des collectionneurs de publicité, on touche un panel assez grande clientèle entre les restaurants qui s'ouvrent maintenant, qui veulent faire un peu un décor à l'ancienne, plus les collectionneurs. Alors, il y a quelques bouteilles donc d'alcool ancien, et uniquement l'alcool, parce que vous savez que le vin évolue dans le bon sens et dans le mauvais sens, or qu'un alcool ne bouge pas. C'est-à-dire qu'un alcool, comme vous avez là un marc de 1840, il a le même goût qu'en 1840. Il y a des étiquettes et des flacons qu'on ne trouve plus beaucoup du tout. Vous regardez comme il y a beaucoup de whisky. Et surtout les rhums, vous savez qu'il y a des grands amateurs de rhum. Et un rhum qui est assez difficile à trouver, c'est un rhum de la Marie-Galante des Antilles. Et une chose qui est drôle, c'était Rémy Martin qui avait fait ça pour les astronautes. Ça a été édité à 3000 exemplaires. Celui-ci porte le numéro 193. Et vous voyez, on mettait ces doses dans cet emballage pour aller dans les fusées. À l'intérieur de l'emballage, vous avez une paille. Et là, vous avez deux doses. Ils avaient droit à deux doses tout le temps du voyage là-haut, bien là-haut.